Je suis toujours près du sport, mais évidemment de façon beaucoup moins fréquente que je ne le faisais lorsque j'étais athlète de bobsleigh. Mais je crois que c'est important de toujours essayer de garder un petit moment dans son emploi du temps. Et je crois que le président Xi Jinping l'a très bien compris, puisque non seulement il soutient cette organisation des Jeux d'hiver de Beijing 2022, mais il soutient largement l'idée de sport pour tous et de la pratique du sport pour l'ensemble du peuple chinois. Nous avons eu vraiment des dialogues extrêmement ouverts et chaleureux. Moi, c'est de veiller à la qualité des relations entre tous les pays, qu'ils soient petits ou grands. Et donc cette attention vraiment à la qualité des relations est tout à fait exceptionnelle et ça nous touche beaucoup. C'est un événement tout à fait considérable pour nous en principauté, non seulement parce que cette visite est une réponse à la visite d'État que j'ai pu effectuer au mois de septembre dernier en Chine. Et donc j'avais offert l'invitation de venir en principauté au président Xi Jinping. Je ne savais pas s'il aurait le temps ni l'occasion de pouvoir l'effectuer. Donc j'espère que le président et la première dame auront l'occasion de découvrir un petit peu plus la principauté Huang Yingqi Shuxi.